Voilà, donc là il est 2h51 et on va direction Metz. On est à Metz là? Non, pas encore. On est à Sarreguemines et on s'est vite arrêté au McDo pour prendre un petit peu à manger quoi. Et voilà, moi j'ai eu une maglace, je suis contente, un sandwich et à boire. Tout parfait. Il y a juste, il faut que je fasse pipi, mais pff, tant pis. Tu vas là? Non, c'est bon. Donc là nous avons mangé notre McDo, moi j'ai juste pris un cheese, un iced tea et une glace. Et Stéphane a pris un coca, un hot dog. Et c'est tout. Et c'est tout. Et donc bah ouais, on voulait juste que ça nous cale un petit peu. Mais voilà quoi, on a juste réussi à ouvrir notre appétit. En fait. Ouais, on se réserve pour le Burger King ce soir. On va manger au Burger King à Metz. Ce soir, ça va être trop bien. Et là, bah voilà. Il est 3h16. 15h16. Ouais, il fait super moche, il pleut. Enfin, super moche, voilà, il pleut plus. Mais c'est gris et j'ai l'impression qu'il fait un peu froid. La première sortie. Il fait 9 degrés. Donc là je me suis un petit peu assoupie, 10 minutes dans la voiture, ça fait du bien. Là on a trouvé un petit magasin, parce que un Leader Price, parce qu'on va un petit peu faire quelques courses pour l'hôtel et demain matin le petit déjeuner. Et après on va trouver un hôtel, hein. On va essayer de trouver un hôtel. Voilà, donc on va aux courses. Hein? C'était où le Nutella? Bah le Nutella il était juste là. Où? Bah là, à côté. Donc on a le petit déj pour demain matin. On a les gâteaux dans le sac pour ce soir. Là on va essayer de trouver l'hôtel. On va chercher un quoi? Campanile? Courte paille? Non? Un hôtel. Ouais, un hôtel. Si déjà on trouve un hôtel, c'est bien, avec de la place, parce qu'on n'a pas réservé. Coucou! Donc là on se retrouve à l'hôtel. Là il y a notre chambre. Ici il y a une double porte, il y a un genre de sas, c'est trop bien. C'est un campanile qu'on a pris. La télé, voilà, avec la lampe de bureau. Oh waouh chérie. Mais on n'a pas le droit de prendre ça, sinon c'est facturé. Je sais pas. Ça on a le droit de prendre. De quoi? Les tisanes. Ah oui. Arrête. Hey, y a une bouilloire, des petites. Ah, c'est trop bien! Sérieux? Ouais, mais même ce soir, je prends un truc. Ah, on a tout laissé en poche. Ouais, mais même ce soir, je prends une petite tisane. Donc là, nos affaires, voici le lit. Ça sent super bon, ça sent la Nivea. Là, je vais aller. C'est quoi ça, chérie? Ah, c'est une lumière. La meuf qui découvre un hôtel. Wouh! Donc là, vous avez l'armoire, un porte-manteau, ça c'est, voilà. Les toilettes, donc, waouh, on a une baignoire. Ah oui, elle est petite. Moi, je sais pas si je vais prendre un bain, en fait. Je prends une douche, c'est déjà bien. Avec les serviettes, tac, on a les gobelets. Et là, ils donnent pas de savon, chérie. Ah, il y a un sèche-cheveux ici. Mais si, le savon il est là, regarde. Savon. Ah, c'est ça. Ouais, mais d'habitude ils mettent des galets. Oh, bah, y en a pas. Oh, la lampe elle est belle. Hein. Là, enfin, là, le miroir. Voilà. Alors, la lumière elle fait romantique. Et là, vous avez sur la porte un miroir. Ciao. Voilà, donc là, on a décidé de se poser un petit peu avant d'aller manger. Donc, je vais charger mes appareils photo. Je vais les mettre dans l'ordinateur parce que oui, même en week-end ou en vacances, je travaille. Et en fait, après, je vais à la douche parce que faut absolument que je me lave les cheveux parce que je les ai lavés hier. Et en fait, ce matin, ils étaient un tout petit peu gras et je voulais mettre de... comment ça s'appelle? Du shampoing sec, et j'ai pris le aussi. Du coup, j'arrive même plus à passer mes doigts dedans. Ils sont tout collants et tout. Franchement, ce shampoing sec, je le déconseille. Donc du coup, je vais me laver les cheveux. J'ai trop besoin. Alors là, il est 19h32, j'étais à la douche, je me suis lavé les cheveux, ça fait un de ces bien fou de les avoir, de pouvoir passer les mains dedans en fait comme ça, sans que ça colle.
Voilà, mais à chaque fois que je filme, il y a la chasse d'eau qui est tirée, donc... à chaque fois que je filme, tu tires la chasse d'eau. ouais, donc là, on va au Burger King, on va manger. J'ai rechargé un petit peu l'appareil photo, par contre, mon portable est mort. Il n'y a plus de batterie, donc je vais essayer de le charger un petit peu. Et sinon, ben, je n'oublierai pas de l'emmener avec ce soir. Et voilà, on a un petit peu regardé sur internet aussi parce qu'on a le wifi gratuit pour voir qu'est-ce qu'il y avait en menu. Et je pense que moi je vais prendre le... Je sais plus, toi c'était quoi? On sait plus, on verra là-bas. On va le prendre. Ouais, on va le prendre. On est tout près d'un lac, t'as vu? Il y a des canards. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Burger King. Alors moi j'ai pris un menu, ça c'est à toi. Ouais. C'est le gros. Toi t'as pris c'est quoi? Je sais plus. Moi j'ai pris le King. Le King Kong. Le Big King. J'ai pris 6 nuggets. On a pris des rings, c'est des ronds d'oignon. Ouais, moi j'ai pris un fondant au chocolat avec la glace à la vanille. Il y a les sauces barbecue, des frites. Coca, iced tea. En fait, elle t'a mis du ketchup, pas de la mayo. Si, elle est là, ma mayo. Ah, la mayo, elle est là. Tu les as sauvés. Après un bon repas copieux, nous allons de nouveau retourner à l'hôtel. Et il est... Quelle heure? Après un bon repas copieux, direction le lieu. Ouais. Il est quelle heure? Je sais pas. Moi non plus. On vous le dira après quelle heure il est. C'est joli. Eh, on s'est trompé? Ah non, c'est là.